Tintin-Mare, un joli jeu de mots pour évoquer le projet d'habitat participatif créé autour des terrains de la mare. 4000 mètres carrés en tout, qui pourraient accueillir une douzaine de familles entre la rue de la Gare et celle de la mare. Ici, des maisons existantes, des vieilles maisons qui vont être démolies par la ville, on aura 4 secteurs de construction. Donc ici, ici, ici et ici. Pour construire une douzaine de maisons, donc on envisage des unités de voisinage de 3-4 familles maximum. À l'initiative de ce projet, la ville de La Verrière qui a acheté progressivement ce terrain. Un appel à candidature a été lancé pour trouver les futurs habitants. Pour le moment, 6 familles sont impliquées dans le projet. La question centrale aujourd'hui, c'est comment on fabrique de la ville. Et la ville, ce n'est pas simplement de mettre côte à côte des bâtiments, c'est de mettre de la vie à l'intérieur de la ville. Et ça, c'est une façon de concevoir autrement la ville. C'est-à-dire les gens s'approprient un espace, définissent ensemble des besoins et travaillent aussi sur l'usage et les règles de vie. Car Habitat Participatif implique que les futurs habitants portent ensemble le projet et partagent à terme certains espaces communs. Le groupe Tintin-Mare se réunit régulièrement pour discuter des points architecturaux, financiers et légaux. Pour les épauler, la ville a fait appel au cabinet de conseil Quad et à l'association Labo Ramdam. Ces rencontres créent déjà un esprit de groupe et une volonté de vivre ensemble. On le sent déjà, rien que dans les réunions et ce qui est déjà mis en place. On a déjà vraiment un bon contact avec ceux qui sont là et puis ceux qui ne sont pas encore là, ben on les attend, ça sera pareil, ils seront bien accueillis. Une autre manière de se loger est des avantages écologiques et économiques de 20 à 30% en dessous du prix du marché. Constructivement, c'est plus économique. On dépense moins en construisant à côté de son voisin et en faisant que 4 façades pour 2 maisons que de faire 8 façades pour 2 maisons. Et on dépense ensuite moins d'énergie à se chauffer parce qu'il y a notre voisin qui nous chauffe un peu aussi. Des places sont encore disponibles pour intégrer ce projet. Si c'est un succès, la ville pourrait renouveler ce type d'habitat dans le quartier de Gare-Bécane.